Les langues fourchues? C'est FNJ. Nicolas, lui, a quelque chose à nous raconter. Oh, peut-être. Boy, tabarnouche. OK, Nicolas, t'écoute. Ben, c'est une demande, hein. Demande à commercial.cfnj.net. Marc Hugo, les gens peuvent nous joindre en direct. Il y en a de plus en plus qui le font. Je veux saluer Yannick qui dit excellente prestation. Il aime beaucoup les langues fourchues. Et lui, ça demande spécial. Je sais pas si ça va être possible, par exemple. C'est une chanson qui est interprétée par Pierre-Luc sur le premier album. Vas-y. Les femmes sont folles. Ouais, oui, Jean-François, c'est chanter ça. Bonne demande à part ça. Mais on peut le faire à demande, on a dit demande. Ouais, demande, D-E-M-A-N-D-E, à commercial.cfnj.net. Voilà. Puis des commentaires, on en attend, on est toujours content de vous lire, soyez sûrs. Ah, les langues fourchues, je répète, c'est Evelyne Gélina, c'est Martin Anglais, Jean-François Branchaud et Pascal Bélan. Pas pour ça, Jean-François, il réaccorde son instrument en vielle. Est-ce qu'il y a un spectacle que vous allez donner bientôt dans la région? Ben, oui, justement, dans la région à Saint-Côme, les vendredis folkloriques. Oui. Vendredi 14 décembre. Donc, on écrit ça, hein? Oui, ben, 14 décembre. Oui, il y a plein de groupes qui jouent tous les vendredis au bar Pelletier à Saint-Côme. C'est bien fun. Oui, je suis allé justement la semaine passée voir de temps en temps. Puis? C'était toute une ambiance. Il y avait du monde? Il y avait pas mal de monde, oui. Ouais. Et puis, je pense que cette semaine, c'est le vent du Nord, la semaine prochaine. En tout cas, il y a des bons. Vraiment, bravo. Merci à André Riopen qui tient le bar et qui invite année après année une série de groupes comme les Langues Fourchues, des bandes de qualité. Si je peux me permettre, oui. Je veux juste dire que, juste petite mini parenthèse, on va jouer avec moi, Simon Baudry puis Martin Bordelot. Donc, le beau, le gros et l'agrément. Ça, c'est moins bon, un petit peu. Non. En fait, le nom du groupe est comme une devinette. Faut que tu devines c'est qui le beau, c'est qui le gros et c'est qui l'agrément. Ah, ben, allez faire un tour, puis vous devinerez rapidement le gros. Et ouais, c'est vrai que Martin est engraissé de pain bois. C'est vrai? Hein? Non, après je prends en charge. Je me dis plus beau gros. Comme ça. Ah, ouais, non, t'es beau. Allez, donc, les femmes sont folles. On t'écoute. Ils disent que les femmes sont folles, gens de gloire, d'obéir à leur mari, j'en jouis, d'obéir à leur mari, d'obéir à leur mari. Moi j'en ai une comme toutes ces autres, Jean Gloire. Je la fais bien obéir, j'en jouis. Puis je la fais bien obéir, puis je la fais bien obéir. Je la fais bien obéir, je la fais bien obéir. Puis je lui fais balayer la place, Jean Gloire. Tout partout en dessous du lit, j'en jouis. Puis tout partout en dessous du lit, puis tout partout en dessous du lit. Tout partout en dessous du lit. Et quand elle a balayé pas net, au Jean Gloire, je fais rouler le bâton du lit, au Jean Jouis. Puis je fais rouler le bâton du lit, ah, je fais rouler le bâton du lit, je fais rouler le bâton du lit, je fais rouler le bâton du lit. Puis quand je vais en promenade, au Jean Gloire, ah, c'est le taux de venir me crier, au Jean Jouis. Oh, ah, c'est le taux de venir me crier, oh, ah, c'est le taux de venir me crier, ah, c'est le taux de venir me crier. C'est tôt de venir me crier. Puis elle s'y jette à genoux par terre, au Jean Gloire. Viens t'en donc mon cher mari, au Jean Jouis. Ah, puis viens t'en donc mon cher mari, ah, puis viens t'en donc mon cher mari, viens t'en donc mon cher mari, viens t'en donc mon cher mari. Puis attends donc encore une heure, au Jean Gloire. Je suis appareil à me divertir, Jean-Jouis. Puis je suis appareil à me divertir, oh, je suis appareil à me divertir. Je suis appareil à me à l'hôtesse Jean-Gloire pour prendre un verre avec lui, Jean-Jouis. Pour prendre un verre avec lui, pour prendre un verre avec lui, pour prendre un verre avec lui, pour prendre un verre avec lui. Il dit que ça ne vaut pas la peine, Jean-Gloire, qui boit rien de l'eau du puits, Jean-Jouis. Il boit rien de l'eau du puits, oh, qui boit rien de l'eau du puits, il boit rien de l'eau du puits. Quand il veut la boire froide, Jean Gloire, il sait trop d'aller la qui, Jean-Jouis. Il sait trop d'aller la qui, il sait trop d'aller la qui, il sait trop.
à mes amis, à moi et puis à mes amis, à moi et puis à mes amis. Et ceux qui ne payent pas la traite, j'en dois le. C'est une veillée bien gaspillée, j'en suis. Ah, c'est une veillée bien gaspillée, c'est une veillée bien gaspillée. À présent qu'on paye la traite, j'en dois, on pourra bien s'amuser. J'en suis. Oh. Pour nous autres. Hey, bon, hein, il y a de la belle musique traditionnelle, vraiment, là, belle formation. Les langues fourchues, on a entendu, les femmes sont folles. Hein? Strictement vrai. C'est une belle chanson, ça. Oui, c'est une belle chanson, de fait. Hey, je fais rouler le bâton du lit. Oui? What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-François? Quand écoute, on fait rouler Marc, le bâton du lit? Selon des études bien poussées dans le domaine du bâton du lit... Je ne sais pas grand-chose là-dessus. Je veux pas t'embarrasser, là. C'est un non, jeune de sans joke, hein? Je sais pas... Moi, je pense qu'on peut pas le dire à cette heure-là, étant donné que les jeunes auditeurs sont... D'accord, ce sera un rappel en supplémentaire après l'émission. Mais je sais pas, c'est peut-être, je sais pas, une coutume du temps qui voulait dire quelque chose, mais... Non. Si, peut-être, Nicolas, si quelqu'un te redonne une réponse là-dessus... Je vous en on lance un cri d'appel, là, c'est éventuellement, on lance une campagne faire de financement rouler le pour bâton trouver du le mot. Ouais, c'était que, moi, c'est comment je l'avais interprété, en fait, ouais. C'est ma propre interprétation de ça. Là. Je sais pas si j'ai tort. C'est juste que là, il explique que sa femme a un travail et tout, toute la patente. Lui, il tourne le bâton du lit. Il a tellement rien à foutre qu'il tourne le bâton du lit. C'est comme, à place de se rouler les pouces, il tourne le bâton. Ah. C'est une explication qui en vaut d'autres. Il y a Nicolas qui lève le doigt, veut parler. Non, ah, rien non. À dire, on n'a pas d'eau devant. Les bons commentaires, il n'y en a pas. Personne qui écoute. Ben là, ça s'en vient, j'imagine. Bon, on imagine. So, le monde est bouche bée. Hein? Oui, c'est ça. C'est juste @fnj.net. On se tourne vers le chapeau, on va encore piger. Hey, qu'est-ce que vous faites ce soir, en soirée, là? Genre 9h30, 10h. Ce soir, on a sûrement pratiqué. On a répète. Ah, il y a une petite répète de prévu. Ben oui. Je vous informe qu'il y a un jam à l'interlude ce soir. Ah. Alain Magnan et tous ses amis vous attendent. Ah, tu vois. Bernard Simon va faire un tour. Les musiciens de la région. Peut-être qu'on va laisser faire la pratique. Non, c'est ça. Bernie, je m'en parle. Je la connais. OK, on pige. On va demander à. Tiens. Martin nous l'a demandé. Ben oui.